Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Studio Lacan est à Tel Aviv pour s'entretenir avec Elie Barnavi. Elie Barnavi, bonjour. C'est la troisième fois que nous vous accueillons avec plaisir sur notre chaîne. Vous êtes un historien, vous êtes aussi un homme d'action puisque vous avez été ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages écrits en français sur l'extrémisme religieux, sur les guerres, sur la guerre, sur le conflit israélo-palestinien, etc. Depuis le massacre du 7 octobre dans les villes et les kibbutz israéliens proches de la frontière de Gaza, vous avez publié quelques articles et donné des interviews à plusieurs chaînes TV. Nous avons été aussi très intéressé par votre participation comme spécialiste à la réunion de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale en France, cinq jours après les faits, le 11 octobre donc, une commission qui s'est réunie pour étudier les événements. Alors, première question. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier, Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre actuelle d'Israël contre le Hamas, dite épée de fer, est notre deuxième guerre d'indépendance. Donc nous a renvoyé en 1948. Il n'est pas le premier à le faire, mais c'est lui qui le dit. Notre deuxième guerre d'indépendance. Il a ajouté que le peuple d'Israël se trouve dans un moment où le dilemme est être ou ne pas être. C'est donc l'existence même d'Israël qui est en jeu pour lui, selon lui. Comment comprendre cette formule alors qu'Israël a une des armées les plus fortes du monde? C'est pas seulement qu'Israël a une armée parmi les plus forts du monde, c'est qu'au bout de 75 ans d'existence, affirmer que la campagne que nous menons contre un groupe terroriste est une deuxième guerre d'indépendance est absurde historiquement et très problématique moralement. Pour lui, c'est évident pourquoi il fait ça, n'est-ce pas ? Il est à la tête d'un pays en crise, traumatisé, et il essaie de donner à cette affaire, et donc à la manière dont lui, il gère cette crise majeure, effectivement, une dimension apocalyptique. Mais ce n'est pas notre deuxième guerre d'indépendance. L'existence d'Israël, à aucun moment, n'a été mise en jeu par le Hamas. Enfin, c'est tout de même extraordinaire qu'on puisse dire qu'une ministre même puissante, de 30 000 hommes, dans un territoire miséreux, puisse mettre en danger l'existence d'Israël. Alors, je veux bien qu'il y ait des ennemis tout autour, mais enfin bon, il faut raison garder. Or, rien n'est raisonnable dans ce que notre ministre fait et dit depuis longtemps déjà, et ça ajoute à cette espèce de fuite en avant politique, psychologique, morale dans laquelle il nous entraîne tous. Et d'ailleurs, les journalistes, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la télé hier, ils ont été vite à réagir. Il a dit, mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, ce n'est pas raisonnable de le dire, selon vous. Et en même temps, il n'est pas le seul à le dire aussi, par exemple, dans ce débat à laquelle vous avez participé à l'Assemblée nationale, Dominique Moïsi, qui est un politologue, si vous avez compris, il a évoqué le poème de Chaim Nachman Bialik, le massacre de la ville, la ville du massacre, en faisant une certaine, comme si ça évoquait
en tout cas psychologiquement, pas par la raison, mais par la psychologie. Ça c'est différent. Oui. Et Moïse a eu raison. Et moi-même, j'ai plusieurs fois recouru à cette image qui est effectivement très forte. Le plus grand pogrom contre les Juifs désormais depuis l'Holocauste, depuis les Einsatzgruppen. Et ça, je crois que c'est vrai. Ça, c'est d'abord vrai factuellement. Et c'est vrai, là, du point de vue dont il a été dans cette affaire et vécu par nous Israéliens, mais aussi par les Juifs dans le monde entier. Ce n'est pas dire que nous jouons l'existence de l'État d'Israël, c'est dire que l'État a permis que sur son territoire souverain, dans un pays qui a été conçu précisément pour que des choses pareilles ne puissent pas arriver, une chose pareille ait pu arriver. C'est ça. Mais à aucun moment ces gens-là ne mettent en cause ou en jeu l'existence même de l'État d'Israël. Ce n'est pas du tout ce que Dominique voulait dire, ce n'est pas ce que moi je veux dire. Et donc c'est. Vous savez, c'est le problème des comparaisons historiques et des analogies oui. historiques qui sont toujours problématiques. À la fois, on ne peut pas faire sans, parce que c'est normal, notre tête est ainsi faite. Et là, l'histoire offre des points de comparaison pour mettre de l'ordre dans les événements. Et de l'autre côté, il faut faire bien attention, parce que tout ne se convient pas à tout. Et là, on glisse vite. Et dernière dimension de ce point de vue, c'est le côté politique ou même politicien. C'est donner le plus d'emphase, le plus de possible, de manière à dire nous sommes dans une heure grave, je suis l'homme de la situation. Oui. Alors, vous mettez en doute peut-être qu'il est l'homme de la situation, au vu des événements. Je ne mets pas en doute, c'est une manière. Gentil de le dire, le bonhomme est une grenade dégoupillée au cœur de la société israélienne. Il est un danger présent dans tout ce qu'il fait depuis les dernières élections, déjà les dernières élections, les 5 campagnes électorales, l'une après l'autre, vous vous souvenez, et ensuite il arrive à faire une coalition de fous, une coalition des messianiques, d'ultranationalistes, extrême droite la plus épouvantable que vous puissiez imaginer. Il n'y a pas moyen de gouverner comme ça en Europe, même dans les pays de l'Est, en Hongrie, tout ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a mis sur place. Et après, il nous a lancé dans ce coup d'État judiciaire, 10 mois de guerre civile latente qui nous a mis sur le genou. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que le Hamas a choisi ce moment, mal choisi d'ailleurs, enfin ça, on en reparlera peut-être. En tout cas, il a reniflé une faiblesse. Il a reniflé une faiblesse, une société déchirée, en guerre contre elle-même. Et ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail de Netanyahou. Alors, il y a. Et pourquoi ce travail de Netanyahou? Qu'est-ce qu'il essaie? Ça, on l'a dit 1000 fois. À la justice, pour échapper à la justice. Et tout ce qu'il fait, tout ce que c'est on fait. Et c'est là aussi le danger aujourd'hui. Tout ce qu'il fait n'a qu'un but. Il est personnel. C'est moi-même. Moi-même et la justice. Moi-même et la gauche. Moi-même et mes ennemis. Moi-même et mes ennemis à l'intérieur de la droite. C'est-à-dire, c'est un homme dans le narcissisme est devenu tel que c'est un problème national. Et là, donc, est-ce que les décisions que on prend, est-ce qu'on peut lui faire confiance, qu'elles sont prises en fonction des intérêts supérieurs de la nation, en fonction des intérêts, de ses intérêts à lui et à sa famille, qui est une famille à la Ceaușescu, ou quoi. Mais. Mis à part Netanyahou et son gouvernement, et le dernier gouvernement, avec toute la problématique, en effet, la dernière fois qu'on s'est vu au studio Lacan, c'était autour de la crise de la démocratie qu'il y a eu ici en Israël. Mais il y a aussi j'ai lu des analyses de géopolitique qui expliquent le pouvoir maintenant par d'autres
d'autres arguments, par exemple la volonté de nuire au rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il est rare qu'une guerre ait une cause unique, évidemment. Mm-hmm. C'est toujours un faisceau de causes. Et ce que vous dites, c'est probablement, on n'a pas la preuve, mais de l'avis de tout le monde, c'est l'une des causes principales. Effectivement, le rapprochement avec l'Arabie Saoudite était une très très mauvaise nouvelle pour l'Iran d'abord, et pour ses milices au Proche-Orient. Ça voulait dire le réalignement des forces, cette fois-ci de manière très spectaculaire, c'était par des efforts formels. Et là, oui, c'était très mauvais pour eux. Et donc, le Hamas, ça doit être aussi l'une des raisons pour lesquelles il fait la guerre. Remarquez que cela fait longtemps qu'il prépare cette opération. Ça ne se prépare pas en deux jours, ça fait au moins un an. Cela fait aussi que ça fait longtemps qu'on parle de rapprochement avec l'Arabie Saoudite et que dernièrement, on faisait état de progrès substantiels. On était en train d'aller très loin et donc il fallait absolument prévenir cela. Les Iraniens ne pouvaient pas se permettre. Alors, il se trouve que le moment était bien choisi aussi parce qu'ils croyaient trouver une société et une armée mal préparée, en guerre contre elle-même, et que donc c'était maintenant que le moment était le mieux choisi. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais enfin, toujours est-il que ce que le Hamas vient de faire, c'est de rompre avec une tradition, je pourrais dire, déjà bien établie, où il y avait un certain nombre de règles de jeu qui faisaient qu'on n'allait pas au-delà d'un certain seuil. Là, il nous fait véritablement la guerre, et de quelle manière, et c'est pour ça que plus rien ne sera pareil après qu'avant. Alors que chaque fois qu'il y a eu un round, la situation est devenue à peu près la même après qu'avant. Maintenant, c'est terminé. Oui, on va peut-être y revenir, parce que ça, c'est peut-être vers la fin, parce que ça, c'est déjà la question de ce qui va se passer plus tard, qu'est-ce qui est de l'avenir. Mais je voulais vous demander, pour nos auditeurs et pour moi, d'abord, puisque vous avez écrit sur les religions meurtrières, de nous dire qu'est-ce que c'est le Hamas, en fait, quelles sont les origines, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que c'est que cette religion de sunnites et pas de chiites qui est apparue ici à côté d'Israël. Le Hamas est un surgenre des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement apparu en 1928 en Arabie Saoudite. C'est une confrérie. Un conflit religieux extrême, et donc pour laquelle la religion doit être le fondement de la vie et le maître de vie de chaque musulman en particulier et de la société musulmane en général. Alors il y a différentes manifestations. La première et la plus importante, surtout, c'est ce qu'ils appellent la taula, c'est-à-dire le prêche, la conquête des cœurs, l'éducation, l'intériorisation des préceptes du prophète, créer une société véritablement musulmane, intégralement. C'est un mouvement intégriste. Selon les mœurs de l'époque, alors. Comme s'il n'y avait pas l'histoire, le temps qui est passé. Non, justement, c'est une réaction. C'est une réaction, comme toute religion radicale, c'est une réaction à un échec dans le monde musulman. C'est particulièrement évident. Le monde musulman, notamment le monde arabo-musulman, a raté l'entrée dans la modernité. Pour des raisons diverses, il serait trop long pour
pour y entrer ici. C'est un énorme malaise de ratage de la modernité, alors qu'ils ont tout essayé, n'est-ce pas ? Ils ont essayé successivement le libéralisme. En Égypte, il y avait au XIXe siècle le mouvement libéral occidentaliste extrêmement puissant. Ça n'a pas marché. Le socialisme n'a pas marché. Le panarabisme n'a pas marché. Alors pourquoi ? Tous les ismes, pour des raisons diverses, ce sont des sociétés. Et parmi ces raisons diverses, je tiens que l'emprise du religieux est extrêmement importante. Et contrairement à l'Occident, la séparation de la religion et de l'état du politique et du religieux n'a jamais fonctionné dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman. Pour des raisons historiques, ça a fonctionné en Occident. C'est d'ailleurs le seul endroit où ça fonctionne de cette manière. Et donc, comme alors, l'incapacité à maintenir la religion en dehors de la sphère sociale et politique, le retard économique, à cause aussi du religieux, retard économique considérable, sont des sociétés très pauvres. Donc rien n'a marché. Et des gens se sont dit, à ce moment-là, beaucoup se sont dit, rien n'a marché parce que rien n'était à nous. Et il est temps de revenir à ce qui est authentiquement nous, c'est-à-dire à l'islam. Et si vous prenez le slogan de Frères musulmans, il est tout à fait révélateur. L'islam est la religion, est la solution. L'islam est la solution. Et donc, les Frères musulmans, c'est ça. C'est une confrérie qui aspire à islamiser jusqu'au bout les sociétés musulmanes et, au terme, de la gouverner selon les principes de l'islam, c'est introduire l'islam au cœur du politique. Et c'est ce qu'ils font, et les Égyptiens comprennent très bien, voilà, les Égyptiens comprennent le danger, répriment très brutalement, mais c'est tout de même, Sadat sera assassiné par un membre de la confrérie. Donc le Hamas est en fait motivé par une cause qui dépasse complètement le conflit israélo-palestinien. Oui et non. Alors le Hamas naît dans la foulée de la première intifada de 1987, tout après, en 1988, naît le Hamas, qui est l'acronyme de l'arabe Mouvement de résistance islamique, avec au début un objectif plutôt traditionnel d'éducation, de charité, et très vite il se militarise, il se dote de structures militaires. Et Israël, qui au début considérait ça plutôt d'un bon oeil, c'est toujours mieux, pensait-il, les religieux que les nationalistes, n'est-ce pas, parce qu'ils s'occupent de leur mosquée, ils restent tranquilles. Exactement la même erreur que les Français ont fait en Algérie. Et très vite, ils ont compris que ce n'était pas le cas. Que le Hamas était un mouvement terroriste. Ce n'était pas du tout uniquement un truc de mosquée et de madrasa. Et Israël a commencé à sévir. Le pli a été pris très rapidement. Avec le dégagement de Gaza, le Hamas s'est implanté beaucoup plus fortement en 2005 dans le territoire. En 2006, il y a eu des élections municipales, en 2007, des élections législatives, le Fatah les perd. Et en 2007, il y a une brève guerre civile très sanglante et le Hamas expulse définitivement le Fatah, il s'empare de tous les leviers du pouvoir. À partir de ce moment-là, le Hamas est à la fois un mouvement religieux, un mouvement politique, un parti de pouvoir, une structure de pouvoir et une armée. C'est tout ça ensemble. C'est un mouvement total et totalitaire qui prend en charge l'ensemble du territoire de Gaza sous tous ses aspects. Et
Bon, il y a des particularités. Par exemple, j'ai vu récemment une vidéo de Ismaïl Haniyeh, qui est le chef politique, qui parle d'un rapport à la mort qui est un peu, qui nous est étranger. Alors, il y a ça, c'est l'un de leurs slogans. Nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie. Vous trouvez ça chez Daesh aussi, vous trouvez ça dans tous ces mouvements. La mort étant plutôt que quelque chose à fuir, quelque chose à chercher, à chérir, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra aller au paradis et on sera mort sur la sanctification du nom, sanctification de Dieu. Il y a ça chez les musulmans, chez les sunnites, mais il y a ça chez les chiites aussi. C'est un mouvement doloriste extrêmement. Bon, cela dit, c'est un slogan, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tous les musulmans et même tous les gens du Hamas. Mais est-ce que les événements du 7 octobre ne sont pas touchés par cette Ben, si, tendance? En fait, plus pour les gens qui sont allés à l'assaut de ces kibboutzim, c'était une opération suicide. Ils savaient que la plupart ne reviendraient pas. Ils ne se doutaient pas que ce serait aussi facile. Ils s'attendaient à une résistance beaucoup plus forte. Et ils savaient que pour la plupart d'entre eux, ils ne reviendraient pas vivants. C'est parce qu'ils ont vu que c'était divinement facile. Ils sont venus, après, il y a des gens, des Gazaouis sont arrivés, qui n'avaient rien à voir avec le Hamas. Ils sont arrivés pour participer à la curée. Mais pour eux, pour les commandos, ils devaient savoir que c'était une opération suicide. Et d'ailleurs, la plupart ont été tués et les autres seront tués. L'armée a la liste de tous ceux qui ont participé. Nominal, ils vont les chercher un par un. Toute une autre question maintenant. Vous êtes un homme de gauche, je pense qu'on peut dire ça. Le 13 octobre, je pense, quelques jours après l'événement, Le Monde a publié un article dans lequel il a passé en revue les mouvements de gauche de toute l'Europe, enfin, de toute l'Europe occidentale. Il y avait une série de pays dont il était dit que la gauche est divisée après les événements entre ceux qui condamnent d'une façon absolue et claire les exactions du Hamas et au contraire une position de gauche qui plutôt condamne Israël et qui explique par exemple les événements par un 8 mai, d'accord? Il y a eu ça, 8 mai, Israël, Oui, c'est ça fait. une vieille histoire, vous savez, ce n'est pas nouveau. La gauche a toujours été divisée à propos d'Israël. Schématiquement, la gauche démocratique, si vous voulez, la gauche du Parti socialiste, par exemple en France, le Parti socialiste, les radicaux de gauche, tout ce genre, toute cette gauche du gouvernement modérée, disons, a toujours été plutôt pro-israélienne, souvent même très pro-israélienne. Et l'extrême gauche, révolutionnaire, gauchiste, tous ces gens-là ont toujours été anti-israéliens, anti-sionistes, tiers-mondistes, évidemment pro-palestiniens. Ce sont eux qui sont passés du combat pour le Vietnam au combat pour la Palestine, les Palestiniens ayant remplacé à partir des années 70 le Vietnamien comme figure du prolétaire international. Qu'il faut protéger, à côté duquel il faut se battre. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je suis un homme de gauche, je suis pour un État palestinien, je suis pour la paix, je ne suis pas un pacifiste, je ne suis pas un gauchiste. On a ces spécimens ici aussi. Vous êtes un homme de gauche qui n'est pas un gauchiste, en même temps. Je ne suis pas un C'est gauchiste une du distinction. tout. Je ne suis ni gauchiste, ni pacifiste. Je suis un homme de gauche dans la mesure où je pense, je laisse de côté
la dimension économique, interne, politique de cette attitude politique et pour me concentrer sur notre problème israélo-palestinien. Je suis de gauche dans la mesure où je pense que ce problème ne pourra pas être résolu sans la répartition du territoire, la création d'un État palestinien, sans la résolution, sans la solution du problème palestinien. Alors on groupe ces gens-là plutôt dans la gauche, ce qui est un peu artificiel. Vous trouvez dans ma position à peu près tous les généraux et les chefs de sécurité à la retraite, la plupart des hommes d'affaires, des capitalistes de ce pays, nous nous trouvons tous dans la même position. Alors appeler ça gauche, c'est un peu facile, mais ce sont les catégories intellectuelles que nous avons mises en place et ne veulent pas dire grand-chose, en fait. Alors en Israël, vous voyez bien, vous avez à droite des gens qui seraient en France, qui seraient à gauche, sur les problèmes économiques, sociaux. Et ici, ils sont à l'extrême droite. Tout ça a été confus. Nous sommes un cas particulier. Mais en Israël, c'est clair. Ceux qui parlent de gauche, ceux qui parlent de résoudre le problème palestinien autrement que par la force, et qui se prononcent contre l'annexion, c'est la gauche, les autres, c'est la droite. C'est pas aussi simple, mais schématiquement, c'est comme ça que ça travaille. Alors, dans le même fil, qu'est-ce que vous pensez des propos du secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, qui mettait sur le même plan les exactions du Hamas et les réactions de la riposte israélienne? Moi, j'ai attentivement écouté cette déclaration. Et je pense qu'on lui a fait un peu un mauvais procès. Guterres est un honnête homme. Il n'a pas mis sur le même plan. Il a dit que ce que le Hamas a fait est épouvantable, mais ce n'est pas arrivé dans le vide. Voilà ce qu'il a dit, textuellement. Et c'est vrai, ce n'est pas arrivé dans le vide. La faute, la maladresse de Guterres était de donner l'impression, même à des gens de bien intentionnés, qu'il faisait une équivalence, qu'il établissait une équivalence entre les deux. Ce n'était pas son intention. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui arrive à chaque fois quand on met dans le même paragraphe ou dans la même phrase les deux événements, ça donne l'impression qu'il y a un oui mais. Oui, sauf si on dit, comme beaucoup ont dit, ce que le Hamas a fait est innommable sans oui mais. Beaucoup l'ont dit ça. Ça ne justifie rien. Et maintenant, parlons d'autre chose. Parlons de ce qui se passe dans l'occupation. Parce que il faut en parler. Mais le Hamas a perpétré un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et rien ne saurait justifier ça. Ce n'est pas un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste, islamiste, qu'il faut éradiquer. Donc, beaucoup ont dit ça. Guterres n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, pas parce qu'il ne le pense pas, mais parce qu'il est à la tête d'une organisation où le Sud global et les Arabes et les autres prennent une place importante. Il a essayé de ménager la chèvre et le chou. Quand on essaie de ménager la chèvre et le chou, on a ce genre de phénomène. Et moi, je trouvais que c'était très peu glorieux. Et c'est dommage, mais je ne pense pas que Guterres soit devenu favorable au Hamas. C'est pas du tout ça. C'est une maladresse diplomatique, comme il entend, dans une situation qui est pour lui inextricable. Évidemment, le gouvernement israélien lui a sauté dessus à pieds joints, comme on sait faire. Mais c'était trop. Bien. Maintenant, une question sur le futur. Vous avez souligné dans beaucoup d'entretiens votre soutien de l'idée de solution de deux États, disant que finalement c'est la seule solution possible, c'est la seule porte de sortie, tout en disant que c'est très complexe. C'est complexe parce que c'est difficile de séparer deux peuples qui sont impliqués l'un dans l'autre. C'est complexe parce que les extrémistes de deux côtés vont toujours boycotter les tentatives d'aller vers cette solution.
Il y a aussi le fait, vous mentionnez l'expérience des accords d'Oslo, où les Israéliens et les Palestiniens ont été livrés à eux-mêmes, vous dites. Et du coup, il n'y avait pas une intervention forte d'un tiers qui donne un cadre aux négociations. Alors, est-ce que vraiment la question, ce que je me pose aujourd'hui comme question, c'est est-ce que vraiment la solution de deux États est réaliste ? Après ce qui s'est passé, après... c'est pas que j'ai une autre solution, hein, mais... Voilà, il faut commencer par ça. Et quelle alternative ? C'est-à-dire il y a l'État unitaire, judéo-arabe, l'État unitaire, un seul État. C'est la solution que préconisent les deux bouts de l'arc politique. L'extrême droite, pour ces raisons à elle, ils veulent garder toute la terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des Arabes ? Rien, soit on les jette, soit on les maintient. C'est la solution qu'exposait en 2017 Bezalel Smotrich. Ou bien ils ferment leur gueule, baissent la tête, ils acceptent notre loi, sans droit. Ils sont Gertoshav. C'est-à-dire l'étranger sur cette terre, et la terre est à nous. Eux, ils sont là, tolérés. Donc ça, c'est l'extrême droite. Une solution qui n'est pas une solution, puisqu'il s'agit de 5 millions de personnes. Je vous dis ce qu'ils disent. Oui. À l'autre bout de là, vous avez les humanistes, ceux qui disent « ça ne marchera pas, deux États ». Il n'y a pas des hommes, ça marche d'ailleurs. On peut très bien faire un État unitaire, vivre tous égaux dans les deux morceaux de la Palestine historique. Un seul État, citoyenneté, un État pour tous les citoyens. Je n'ai jamais cru à cette fable, jamais. Les États binationaux ne fonctionnent pas. C'est une question de bon sens historique. La Belgique, vous trouvez que ça marche bien. Justement, la Belgique est un formidable contre-exemple. Même la Belgique, c'est-à-dire un pays riche, prospère, au milieu de l'Europe, civilisé, il est en train de se défaire sous nos yeux. Il se défait sous nos yeux. Il ne reste plus rien, c'est coquille vide. Mais non, on n'est pas en Europe. On est au Proche-Orient. Ici, les exemples, ce n'est pas la Belgique. C'est le Liban, c'est l'Irak. C'est la Syrie. C'est ça l'exemple d'État bi-communautaire ou tri-communautaire. C'est de la folie d'imaginer qu'ici, ça marcherait autrement. Donc, ce que ça nous donne, cette solution, c'est l'apartheid. Parce que les Juifs n'accepteront jamais de partager la souveraineté avec les Arabes. Jamais. Et donc, vous aurez deux populations à l'intérieur du même cadre, dont l'une chevauchera l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, mais officiellement. En fait, on rejoint la première solution, la solution d'extrême droite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alternative à ça. C'est ça que je dis, c'est-à-dire que je connais toutes les difficultés, je suis tous les obstacles. Mais il n'y a pas d'alternative. Il y a une troisième possibilité, c'est le statu quo. Il continue comme ça. Beaucoup disent ça. Comme il n'y a pas de solution, on continue comme ça. Occupation, et on voit... Ça, c'est le plus vrai aujourd'hui. Non, oui. Eh bien, on voit le résultat. C'est ce que vous avez dit au début, que maintenant, il faut que ça change. Eh bien, voilà. Je n'ai jamais cru à ça. Mais avant de répondre à la grande question, qu'est-ce qu'on fait en général ? Qu'est-ce qu'on fait de Gaza ? Oui. La question est plus urgente que ça. La guerre va se terminer d'ici quelques semaines. Moi, je ne crois pas que ça va durer des mois et des mois. Certainement pas dans cette intensité. La guerre va se terminer. Le Hamas va être détruit. Je pense que c'est faisable. C'est faisable. Et c'est une bonne chose. L'erreur d'Israël a été d'avoir toléré
que s'installe là-bas un pouvoir de ce genre. Dès 2007, on aurait pu l'éliminer. On a laissé prospérer, croître en puissance, c'est terminé maintenant. Maintenant, il faut le détruire. Parce que si on ne le détruit pas, demain, ça recommencera. Détruire, ça veut dire qu'il faut le remplacer par quelque chose. La nature, l'horreur du vide, par quoi on le remplace? Nous, certainement pas. Israël n'est pas candidat à recommencer, à occuper la Cisjordanie. Alors qui? Vous demandez ça au. Il répond pas. Il dit on va finir la guerre d'abord. Mais ça va être temps qu'il faut réfléchir. Et c'est ce que j'ai entendu Ehud Barak le dire exactement la même chose. C'est temps qu'il faut réfléchir. Or, il n'y a qu'une réponse à cela. C'est l'autorité palestinienne. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul organisme légitime internationalement, reconnu par tout le monde, y compris par Israël. Mais comment il va arriver à Abou Mazen, vous rendez compte? L'État dans lequel il est, lui et son gouvernement de pourri, seul, il ne peut pas. Il faut donc une coalition internationale qui l'installe là-bas, qui sécurise le territoire, qui lui redonne un souffle de vie, qui recommence qui commence très vite à reconstruire, parce que c'est ça que les gens doivent voir que c'est mieux. Tout de suite. Il faut, comme je dis toujours, couvrir le territoire de grues. Ça, c'est très important. Et donc, il faut une solution, il faut internationaliser le problème. Cela fait des dizaines d'années que je dis ça. Le problème israélien, israélo-palestinien, s'il n'est pas internationalisé, il ne sera pas. Alors là, par exemple. Or, la différence, encore une fois, si vous me permettez. La différence, c'est que maintenant, c'est faisable pour une raison très simple. Israël n'a pas de solution de réchauffement. À Gaza, on n'a pas de solution de réchauffement. On ne sait pas que faire. Et donc, toute solution que les Européens, les Américains, les Arabes, les Sunnites apporteront sur la table, sera la bonne. On sera obligé de la prendre parce qu'on n'en aura pas d'autre. Et à partir de Gaza et d'une autorité palestinienne rénovée, restaurée, à peu près, capable de fonctionner, on peut commencer à s'occuper de l'ensemble du problème israélo-palestinien. C'est à quelque chose, ce malheur-là doit être bon. Mais est-ce que ça c'est réaliste? Est-ce que une intervention de la communauté internationale, on peut vraiment s'attendre à ça plus qu'au moment des accords d'Oslo? Ah oui, beaucoup. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que là, Emmanuel Macron était ici la semaine dernière, il a parlé, pas de la solution des États, etc., mais il a parlé d'une coalition internationale qui va aider Israël dans le combat contre le Hamas. Il n'a pas été suivi. Non, parce qu'il s'est exprimé de manière très maladroite et il n'a pas été compris. L'idée n'était pas une coalition militaire. Vous n'êtes pas un chiffre français, vous n'êtes pas venu ici. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Et je travaille avec Emmanuel Macron. J'ai un plan de ce genre. L'idée, c'est une coalition qui impose une présence sécuritaire et politique ici qui permette le retour de l'autorité palestinienne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la France seule, mais c'est l'Europe, un groupe de pays européens, avec les États-Unis, avec les pays du Golfe, avec l'Égypte, de manière à constituer un encadrement politique. Donc il a proposé ce que vous proposez, oui, d'une certaine façon. Oui, mais donc on voit bien qu'effectivement vous travaillez un peu. Oui, mais il s'est exprimé de manière à ce qu'on on a compris que c'était une intervention militaire. C'est ce que j'ai compris aussi. Mais ce n'était pas du tout l'intention. Ça, tout ce que je dis là, c'est après la guerre. Ce n'est pas pendant la guerre. La guerre, on se fait tout seul. On n'a pas besoin des autres. Et d'ailleurs, personne ne viendrait mettre des soldats à Gaza. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas nécessaire. En revanche, après la guerre, nous, on ne peut plus rien faire. C'est terminé. Le rôle d'Israël sera terminé, effectivement, le jour où nous aurons déclaré, proclamé, que le Hamas a été démantelé. À ce moment-là, il faudra s'occuper de plus de 2 millions de personnes qui seront toujours là. Et c'est là qu'entre la communauté internationale.
C'est ça l'idée. Alors, vous me dites que c'est pas réaliste. Chaque fois qu'on me dit ça, je dis oui. Alors, qu'on me dise ce qui est réaliste. Non, vous avez tout à fait raison. J'ai pas de meilleure solution. Mais c'est plutôt ce que je ne vois pas. Je ne le vois pas arriver, mais vous le voyez, ça nous encourage. Si, enfin, il faut toujours imaginer ce qui va se passer si ça ne se passe pas comme je dis. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans nos casernes, on fait, ça aussi c'est une idée que j'ai entendue, on crée une bande de sécurité le long de la bande de Gaza, ça m'appelle des bons souvenirs du Liban, ça. Hein? C'est une solution, ça. Et on laisse derrière nous. C'est proposé, j'ai entendu. Mon nom politique, il propose ça, dans la droite. Oui, ça veut dire à quel point ils sont intelligents. C'est-à-dire, en fait, pour ces gens-là, l'expérience historique ne compte pas. Ne compte pas. C'est ça. On a saigné pendant des années dans le sud Liban, mais ça ne compte pas. C'est les Américains disent, Biden est venu ici, il a dit, apprenez de nos erreurs. C'est d'ailleurs assez touchant. Nous avons vécu ça en Irak, en Afghanistan. Apprenez de nos erreurs. Bon, on allait terminer, mais je voudrais quand même, parce que je me souviens de quelque chose que vous avez dit, et je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'aborde cette question avec vous, même si ce n'est pas votre spécialité. Vous avez dit, maintenant le but d'Israël, c'est de démolir le Hamas, c'est ce qui va arriver. Enfin, c'est une question si on peut arriver, si on peut démolir, enfin, on peut liquider les hommes, les commandants, les hommes politiques, etc. C'est ce que je demande. Oui, c'est l'idée qui va être... Je peux vivre l'idée tant qu'elle n'est pas mise en... Voilà, ça c'est un des buts. L'autre but, c'est le retour des otages. Comment est-ce que vous voyez la possibilité de ramener les otages dans ce contexte? Ce n'est pas votre... peut-être votre... Non, mais je réfléchis comme tout le monde. Si quelqu'un avait des idées précises, il serait déjà là. Le drame, ça il faut le dire honnêtement, le but de guerre 1, démanteler le Hamas, le but de guerre 2, ramener les otages, ne vont pas très bien ensemble. C'est ça le drame, c'est un vrai problème. Donc au début, le gouvernement a eu l'air de dire il n'y a qu'un but de guerre. Il n'a pas dit tant pis pour les otages, mais c'est un peu ce qu'il laissait entendre. Sur la pression publique, de l'opinion publique, il ne dit plus ça. Il dit maintenant, ça va ensemble, nous sommes pour eux. Et je crois qu'ils sont sincères, évidemment, ils veulent faire une chose. Ce qui joue à notre faveur est le fait que les otages sont un avantage, un asset, un bien pour le Hamas formidable. D'une carte. Une carte. Il y en a tout. Formidable. Et donc, ils vont les traiter plus ou moins correctement. Ils n'ont pas intérêt à les maltraiter. Ils veulent les garder vivants pour pouvoir faire quelque chose avec eux. La question, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'Israël pourra donner? Et il y a une espèce de négociation qui se passe par la famille du Qatar, de l'Égypte. Je pense qu'Israël est prêt aujourd'hui à donner pour avoir les otages, tous les prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes, tous. Je crois qu'ils sont prêts à ça. Mais le Hamas veut plus. Le Hamas veut plus. Il veut par exemple... Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? Il peut avoir une trêve. Et ça, Israël ne veut pas leur donner. Et injustice. Parce que si vous dites trêve, on revient en arrière. Par exemple, 5 jours, vous avez perdu la guerre. Vous avez perdu la guerre. Ça veut dire que non seulement il pourra se réorganiser, mais reprendre la guerre au bout de 5 jours, ça va être extraordinairement difficile, surtout que la trêve servira à l'humanitaire, des convois,
Vous vous rendez compte, il se fait reprendre le combat au bout de 5 jours. C'est arrivé une fois. C'est arrivé pendant la guerre d'indépendance. Et donc Israël ne veut pas entendre parler de ça. Et là, on est dans ce jeu-là. Alors, est-ce qu'on va leur donner de l'essence? Grosse question, si, parce que l'essence, c'est essentiel pour l'effort de guerre, évidemment. Un temps, si on ne donne pas d'essence, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'électricité et d'air dans les tunnels où se trouvent nos otages aussi. Donc, c'est extraordinairement complexe. Donc, ils peuvent avoir beaucoup, le Hamas, parce que c'est effectivement un atout formidable. Mais ils ne peuvent pas avoir tout. Et tout, ils ne peuvent pas avoir de trêve. Ça, je crois qu'ils ne l'auront pas. Et ce qu'ils font, probablement, ils jouent sur l'honneur. Ils font croire que la négociation est très avancée, mais en fait, elle ne l'est pas, probablement. On ne sait pas une année. Et on nage dans le cirage, on sait bien, en fait. Ils tiennent, ils jouent cette carte aussi bien que le peut. Bien, Eli Barnavi, merci beaucoup de votre éclairage très précieux. Et on espère de vous accueillir à Studio Lacan pour de bonnes nouvelles la prochaine fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, merci. Mm.